risque d'être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui. Et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. C'est ça. C'est dans ce couloir. Son médicament. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix la garde toujours sur lui. Trouvez-le. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention. Attendez, violation de la quarantaine. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Morlaix. J'apprécie peu d'être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui, et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi... C'est ça. C'est dans ce couloir. Si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai
Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix la garde toujours sur lui. Trouvez-le. Détendez-vous. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès.
J'apprécie peu d'être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui, et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre... C'est ça, c'est dans ce couloir. Si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès, certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès.
Enfoiré! Vous saviez que cette chose était ici! Non, c'est faux! Je pensais qu'elle pouvait être la nuance! Vous avez le code? 1702, c'est bon? Maintenant, on descend au dispensaire! Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir.
Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley.
Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Faites au plus vite. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Faites au plus vite. Ah.